Salut à tous, Léon Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente les accessoires Big Ben pour le PlayStation VR. PlayStation VR que vous allez pouvoir voir juste après, bien évidemment. C'est le casque de réalité virtuelle de Sony à destination de la PlayStation 4. Ça coûte 399€ plus 50€ si vous voulez une PlayStation caméra qui est obligatoire pour jouer. Et ces accessoires, eh bien, se déclinent en différentes gammes, du plus utile au moins utile, des plus chers au moins chers éventuellement. Nous allons voir ça. Donc tout d'abord, on a, hop, on va passer directement au plus rigolo, le design stand. Et on va bouger ceci, voilà. Donc ce design stand, eh bien c'est un repose PlayStation VR. Voilà, donc ça vous permet tout simplement de mettre votre PlayStation VR en évidence, dans votre intérieur plutôt cosy, avec un certain style, pour une quarantaine d'euros. Ce que nous trouvons malheureusement un peu cher pour l'utilité du produit, mais en attendant, il a de la gueule quand même. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Et hop, un peu de place. Alors, pour 40€, qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur ? On va vraiment faire de la place. Et voilà, le fameux stand qu'on ouvre. Alors, cette petite pièce, on vous expliquera son utilité après. Voilà donc le stand. Alors, sa petite particularité, bon déjà il peut supporter le casque fort heureusement, on va vous montrer comment on met le casque juste après. Voilà. Casque que bien évidemment nous avons, et là c'est l'effet de la mise en scène, regardez il est juste ici en haut, on ne le voyait pas à l'image. Tadam, le PlayStation VR. Vous le posez le plus simplement du monde. On écarte, voilà, on pose ici. Comme ceci, et voilà, il est posé sur le stand. On va quand même bien voir qu'il est mis correctement, parce qu'on ne voudrait pas non plus exploser notre PlayStation VR qui nous a coûté 400€. Oui, parce que malheureusement, Sony France n'a pas cru bon de l'envoyer à un site qui est basé en Belgique, certes, mais qui a quand même la moitié de son lectorat en France, et qui est juste le premier blog vidéoludique francophone sur Alexa. Soit ils ont préféré envoyer ça à des youtubeurs peut-être légèrement moins connus ou des sites moins connus mais qui sont basés en France. J'avais envie de faire cette mauvaise publicité à Sony France qui n'a pas cru bon de nous envoyer le fameux kit presse avec le PlayStation VR entier. On a dû l'acheter comme tout le monde et forcément on a pris 2 semaines de retard sur la France et toutes ces personnes qui se sont fait un plaisir de le tester sans rien y connaître pour certains. Heureusement, la grosse majorité sont quand même des journalistes pro. Et tant mieux pour eux, malheureusement pour nous, on n'a pas pu en bénéficier, voilà. C'était mon petit coup de gueule. En attendant, on a les accessoires Big Ben, c'est pas plus mal. Donc voilà, vous voyez qu'il repose relativement bien sur le stand. Hop, avec la petite touche pour retirer le PlayStation VR. Alors là, si j'avais voulu bien faire les choses, voilà, j'aurais fait ça comme ça et j'aurais mis en dessous. C'est quand même un peu plus classieux, non ? N'est-ce pas ? Oh, magnifique, ça tient pas. C'est la magie du vidéotest. Voilà. Chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un truc qui se passe pas comme il faut. Bref, vous l'aurez compris, voilà comment ça doit tenir logiquement. À côté de ça, vous allez pouvoir eh bien, activer une petite touche magique. Oups. Comme ceci, voilà, pour donner un effet bleuté. Alors, c'est 3 piles, des petites piles, qui sont fournies avec, heureusement. Et ça donne un petit côté bleuté, très sympathique. Voilà, vous l'aurez compris. C'est plus un objet de design qu'autre chose, honnêtement. Hop. Nous, on voit pas vraiment l'utilité. Ouais, vous voulez un petit peu frimer dans votre intérieur avec un stand, pourquoi pas. 40€ pour ce stand qui est certes en jolie finition, moyennement lourd, et avec cette jolie petite loupiote bleue, waouh. Honnêtement, on ne voit pas tellement l'utilité. On remercie Big Ben de nous l'avoir envoyé, mais voilà, vous connaissez la devise, c'est zéro concession, la devise du site.
Donc on ne fait pas de concession, quand on trouve que c'est cher, on le dit. À côté de ça, on a la mallette de transport, qui va vite devenir indispensable. Pourquoi ? Parce que les lentilles de votre PlayStation VR sont fragiles. Ce sont d'énormes loupes, et s'il y a une griffe dessus, ou si elles prennent trop la lumière, elles agissent forcément comme une loupe, et ça peut éventuellement causer des dégâts à votre PlayStation VR. La meilleure façon de le protéger, sans le mettre sur le stand, puisque moi j'ai deux enfants en bas âge, vous imaginez bien que si je mets un stand comme ça à côté de ma télé, il va tenir 2 minutes, vous avez la mallette anti-atomique. Le truc, vous pouvez y aller, c'est du costaud, avec le petit logo PlayStation, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, parce qu'elle est quand même, voilà, un peu massive, mais elle est ultra solide. Et c'est là que tout se barre. Donc, grosso modo, vous avez pour 40 euros également, c'est-à-dire le prix du stand. Moi, je vous conseille vraiment cette mallette par rapport au stand. C'est clairement moins design dans votre intérieur, mais c'est vachement mieux protégé que sur un stand. Vous avez la possibilité de mettre votre PlayStation VR ici au-dessus. On le fera juste après, sinon ça va devenir un peu la galère. Il y a un petit scratch, ici. Oups. Et en dessous, comme ceci, vous avez toute la place pour mettre votre Power Unit. On va se faire un plaisir de retrouver. Elle était pas loin, on venait juste de faire l'enregistrement de la vidéo de présentation du PlayStation VR. La Power Unit que voici, magnifique couleur noire. Petit logo, PlayStation carré, croix, triangle, oups, pardon. HDMI, bon la totale, hein, on ne la fait pas à l'envers. Le petit autocollant que j'ai oublié de retirer. On dégaine. Donc le stand, lui, va pouvoir... Le stand, mon dieu, il est resté en mémoire. La Power Unit, pardon, peut se mettre ici. Donc en gros, elle s'attache là, avec des sangles. Et alors là, elle est complètement protégée. Il n'y a pas de risque. Vous la remettez là, à l'envers. Elle tient. Là, c'est pour les câbles, bien évidemment, parce qu'il y a quand même une kyrielle de câbles. Hop, on retourne. La Power Unit est bien en place. Et on va... Bon, vous avez encore un autre compartiment, si vous voulez, pour d'autres câbles, juste ici en dessous, éventuellement peut-être un casque, comme vous le souhaitez. On remet... Plops. La petite partie amovible. Et on va mettre le PlayStation VR. Voilà, tout ça en mouvement, incroyable. Voilà donc le PlayStation VR, il suffit, comme vous le voyez, on va bouger un tout petit peu pour que vous le voyez mieux, et bien de le poser, tout bêtement comme ça. Avec votre câblage ici au milieu, faites bien attention à votre lentille, mais il n'y a pas de risque d'abîmer votre lentille pour la bonne et simple raison que, voilà, elle est protégée par cette cloison que l'on voit ici. Voilà. Donc il n'y a pas de risque de foutre un câble qui va griffer votre lentille, tout est bien protégé. C'est hyper pratique, c'est vachement simple d'utilisation, ça se referme comme une fleur, et hop, vous êtes parti. Bon, honnêtement, pour une 40aine d'euros, ça c'est ce que j'appelle un indispensable. Parce que où allez-vous laisser traîner votre PlayStation VR quand vous n'y jouez pas? Et mine de rien, il y a beaucoup d'expériences vidéoludiques, ce ne sont pas des jeux qui vont vous durer 10 ou 15 heures, donc pour peu que vous ayez un budget limité, vous allez prendre un ou deux jeux que vous allez clôturer en allez, 4, 5, 6 heures, et après, vous reviendrez au PlayStation VR quand vos amis seront là pour leur présenter un peu, et ce sera tout. Autant le protéger avant. En attendant, les vrais gros jeux comme Resident Evil 7, bien évidemment. Donc, indispensable, 40 euros, la mallette de chez Big Ben, un vrai coup de cœur, honnêtement. Hop. On retire le PlayStation VR, quoique, on peut le laisser dedans. Non, on va en avoir besoin pour la présentation suivante. Hop, voilà. 40 euros bien dépensés, en tout cas plus que pour un stand qui certes se la pète, avec sa petite diode bleue, mais en attendant, n'est pas non plus excessivement indispensable et vachement cher pour ce que c'est. Dernier accessoire à faire les frais de notre présentation, Made in Big Ben. Pour 20aine d'euros, donc on avait 40, 40 et 20, hop, le compte est bon, on a 100aine d'euros dans la boîte. Pour 20aine d'euros, vous avez le Starter Pack PlayStation VR avec le truc le plus important selon moi, le protège-lentille, à mettre impérativement, comme je l'ai dit, une petite griffe sur votre lentille, ça équivaut à une ligne peut-être de 1 mètre dans votre jeu, donc faites vraiment hyper attention à vos lentilles. Là ça les protège sans aucun problème, ça ne les griffe pas. Vous avez un petit torchon, vous l'aurez compris, un petit essuie, un petit mouchoir, bref, un petit chiffon, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, un petit chiffon
pour nettoyer votre lentille, également du produit spécial antibactérien et de petites lingettes pour nettoyer, eh bien tout simplement ceci. Voilà, petite lingette ultra pratique pour nettoyer ces petites parties-ci qu'on voit dans le PlayStation VR. Voilà. À ne pas jouer si vous avez une grippe, les microbes restent dedans. Deux petites attaches pour le câble du PlayStation VR, parce que le PlayStation VR est relié à votre Power Unit par un câble qui est extrêmement long. Donc le mieux, c'est quand même de l'attacher directement sur soi pour éviter de trébucher dessus. Et alors, l'autre accessoire indispensable, c'est ceci. C'est le stand, mais pas le même, pas celui à 40€. Le stand de pose du PlayStation, ancien PlayStation Eye, du PlayStation Camera, de la PlayStation Camera, sur votre télé. C'est clairement indispensable. Honnêtement, j'ai tout essayé avec cette PlayStation Camera. On va vous la montrer d'ailleurs vite fait. La PlayStation Camera, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la PlayStation Camera. Il n'y a pas de base. C'est plat. Et quand vous voulez monter ou descendre, il faut jouer avec ceci. Ce qui n'est pas du tout maniable. C'est une horreur. Alors en plus, après, ça la met de travers. Bref, je ne suis pas du tout doué avec cette PlayStation Camera. Je voulais la mettre au-dessus de ma télé, mais quand on a un écran ultra plat, vous avez vu la base, ça ne tient pas. Donc on est obligé de le mettre sur le socle du bas. Ça bouge, c'est pas génial, ça vous capte mal. Il faut toujours mettre ça au-dessus d'une télé, c'est ce qu'il y a de mieux. Et justement, Big Ben a pensé à vous, et à nous, puisqu'il nous l'a envoyé, avec ce stand télé. Honnêtement, voilà, ça fait un peu de bruit, désolé. C'est pas ce qu'il y a le plus glamour, mais c'est vraiment ce qu'il y a le plus pratique. C'est très simple, vous avez des petites encoches ici. Hop, vous voyez, vous posez les encoches juste ici, ça se clipse, voilà, et ça tient. C'est en place. Il suffit ensuite de mettre ça au-dessus de votre télé et vous bloquez par derrière avec ça, comme ça, vous jouez, bref, il faut vraiment que ça bloque des deux côtés. Quand ça ne bouge plus, c'est nickel et vous avez votre PlayStation Camera qui est hop. Mal. Avec ça, vous avez toute la pièce sans aucun problème. Vous êtes repéré que vous soyez dans votre canapé ou sur le côté de la caméra ou même très proche. Voilà, c'est vraiment un indispensable et c'est seulement pour une 20aine d'euros avec d'autres accessoires. Donc honnêtement, pour ceux qui ont des télés ultra plates, c'est obligatoire. On va zapper ce stand. Alors on a les gouttes pour les yeux, pour les conjonctivites. Non, c'est simplement le produit de nettoyage, on ne va pas nécessairement le sortir, bon c'est du simple produit, la petite lingette, mais on en a déjà une dans la boîte, c'est toujours utile d'en avoir une deuxième. Les petits clips que l'on voit là, qui se mettent sur votre habit, votre peignoir, votre t-shirt, votre armure flambant neuve, tout dépend comment vous jouez, pour relier votre câble, et ceci, voilà. Alors ça c'est plutôt cheap, forcément, quand ça apparaît comme ça, mais vous voyez que c'est impossible de griffer quoi que ce soit avec cette substance, et il suffit simplement, hop, on prend le PlayStation VR, comme ceci, on va le rapprocher, que vous voyez bien, voilà, ça fait le point. Et il suffit simplement, eh bien, de prendre la partie haute, que l'on voit ici, et de la poser. Voilà. Ça m'a pris 2 secondes, mais ça va sauver mon casque. Hop. Ça va littéralement sauver mon casque pour les années à venir, je risque pas d'avoir de dégâts sur ces lentilles, grâce à ceci. Donc honnêtement, voilà, pour 20€, ça c'est clairement 20€ bien dépensé chez Big Ben, avec 2 accessoires indispensables, la protection des lentilles et le stand de pose de votre PlayStation Camera. 20€, je conseille à tout le monde de l'acheter, c'est vraiment une très très bonne affaire. Je pense qu'on en a fini avec les objets, les accessoires de chez Big Ben pour le fameux PlayStation VR. Donc on vous rappelle qu'on avait... Et hop, un petit peu de place, ça fait de mal à personne. Donc on avait ces accessoires que l'on voit ici, avec le stand pour la télé, le protège lentille et les petits objets de nettoyage et l'éclipse. Pour le câble du PlayStation VR, on a ce stand de pose que je déconseille. 40€ juste pour avoir... D'ailleurs, on va l'allumer, tiens, pour qu'il finisse en beauté. Voilà, juste pour avoir un peu la classe quand vos amis arrivent. Ouais, why not. C'est vraiment que de la frime pour 40€, c'est pas trop mon trip. Je préfère ce qui est plus pratique, et ce qui est plus pratique, c'est également ce qui est plus hop, massif. Voilà, la petite mallette, on va rapprocher parce qu'on ne voit pas du tout. Voilà, cette mallette qui est vraiment le top du top pour le transport, pour la protection. Donc, autant dire que si vous avez
la protection pour les lentilles plus ceci, votre PlayStation VR ne risque absolument rien. 60 euros pour le tout. Honnêtement, ça va vraiment être pratique parce que votre PlayStation VR, vous n'avez pas toujours le laisser à l'extérieur. Il vaut mieux parfois le planquer. Le planquer comme ça dans un tiroir, c'est la casse assurée. Avec ceci, c'est protégé. Avec ceci, c'est protégé. Avec ceci, c'est de la tchatch, c'est de la frime pour 40 euros. C'est pas ce qu'on vous préconise, mais même qu'on vous conseille. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore et n'hésitez pas. Priorité à ce starter pack vraiment indispensable pour la protection et le stand de pose de la PlayStation caméra. On vous adore, à très bientôt sur endgames.com. Ciao. Ah, je me rends compte qu'on avait juste oublié de vous expliquer à quoi servait ceci. J'en vois des gens qui allaient me harceler à la fin de la vidéo. Alors ceci, eh bien c'est tout bête, ça permet avec ce stand de pose, ça justifie forcément les 40 euros. Voilà, vous mettez votre câble dedans et vous reliez. C'est un scratch, c'est tout. C'est tout bête, il y a eu les théories les plus folles qui se sont certainement imaginées dans vos têtes de gamer parce que je ne vous expliquais pas ce que c'était. C'est tout bête, voilà. Il n'y a pas d'invasion alien dans le coin, absolument rien. La vérité est peut-être ailleurs, mais en tout cas, ce PlayStation VR est un excellent accessoire périphérique, pardon, à 399 euros pour vous immerger complètement dans la réalité virtuelle à moindre frais. Si vous êtes un gamer dans l'âme, vous devez de l'acquérir. Avec ce kit à 20 euros. A très bientôt sur endgames.com. Ce sera le mot de la fin. Ciao, on vous adore et n'hésitez pas à jouer à tout ce que vous aimez. Faites-vous plaisir. Le jeu vidéo, c'est une passion comme une autre et même meilleure que certaines. Bye, ciao.